Alors vous pouvez voir là la première montre avec un trou dedans. Et ce trou nous permet donc de personnaliser très facilement la montre. Il suffit de mettre une petite pierre par l'arrière. Et voilà, ça clique. Et là on peut voir à travers, c'est un mouvement semi-squelette. Le mouvement est divisé en 12 positions. Et à l'arrière, il y a donc le balancier à midi, le mouvement, petit mouvement, peut dire baguette sur un secteur, et le reste du mouvement est rempli par des barillets. Il y a 8 barillets qui sont reliés entre eux par un anneau central. Vous voyez le balancier qui fait tic-tac? Alors ça, c'est le balancier qui fait tic-tac. Il a tout autour, et il y a tous les barillets. Et toute la montre est annulaire. Et là, vous voyez là devant. Avec des aiguilles mystérieuses. Je fais la mise à l'heure. Je vois rien, ça marche, oui. Et ça, c'est le remontage. Tous les barillets qui bougent. La marque vient de Monsieur Hook et Monsieur Huygens. C'est pas nous, c'est pas notre père. Et ce sont notre idole, parce que ces messieurs-là, ils ont inventé dans le 17e siècle le balancier spiral. Tout à coup, il y avait l'idée de faire une montre annulaire pour pouvoir mettre n'importe quoi là au centre, quelque chose de joli. Et en fait, quand on a commencé avec la recherche de brevets, on a remarqué qu'il y a peut-être 10-15 personnes qui ont eu la même idée, qui ont essayé de prendre le brevet, mais ils avaient tous peur pour le développer. Et nous, on n'a pas peur, et 7 ans plus tard, voilà, la montre marche. La boîte est en acier, mais on va aussi faire des boîtes en or. Et pour les gems qui rentrent là-dedans, ça peut être des pierres naturelles, ça peut être des boules en métal, ça peut être des sculptures dans tous les matériaux possibles ou des vraies pierres précieuses. Si vous voyez la derrière de la montre, ici il y a toutes les barrières qui sont autour avec le balancier à midi, et toutes les barrières sont connectées avec des grands roues dentées, et ça fait une complication unique de mettre toutes ces barrières en parallèle avec des grandes roues. Merci beaucoup. Rien, avec plaisir.